Bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui sur Donkey Kong Country. Alors les gars, c'est ma première vidéo sur mon Asus de l'enfer intersidéral intercosmique. L'ordinateur nouvelle génération qui n'a pas la Wi-Fi, je ne peux pas me connecter en Wi-Fi avec cet ordinateur. Il m'a coûté 1 800 euros, putain. Et j'ai pas vu ce détail, il y avait marqué Wi-Fi 6 certifié. Je me suis dit, ouais, bah c'est un ordinateur classique, quoi. Il a la Wi-Fi normal. Et bah non. Bah du coup, on est sur Donkey Kong Country. Alors c'est un abonné qui m'a proposé le jeu. Alors on va découvrir. Je sais pas si on va en faire la série. Je l'ai rajouté au planning. Moi je vais le faire, mais en réalité, je sais pas si ça va me plaire. Déjà pour commencer, les touches, elles me plaisent pas. Faut que je remette au KLM ou Input. Ça devrait être bon là. Mais en vérité, je connais que dalle. Comment ça s'appelle? Ah, Donkey Kong Country. C'est quoi ça? Là, je suis parti regarder les bonus. Ok, avec le player. Oh, le player. Ah, c'est les high scores de je sais pas quoi. Et là, à gauche, c'est quoi? Oh, c'est aussi des scores. D'accord, bon bah on va lancer l'aventure. En vérité, je redoute un peu l'aventure. J'ai peur là. Je vous mens pas, j'ai très peur. J'ai très très peur parce que les jeux de plateforme, je suis pas très fort. Je suis pas très fort sur les jeux de plateforme. On va inscrire mon blast quand même. Rig. Let's go. Alors mon petit gars, pour compléter ton instruction de héros, ce soir tu devrais garder mes bananes. Je relèverai la garde de minuit. T'as je n'ai pas t'endormir. Ouais, j'ai rien compris qui parle. Qui va là? C'est le petit. Enferme-le dans ce baril et balance-le dans ce buisson. Les bananes de Donkey Kong sont à nous. Des crocodiles qui parlent en S. Deka, réveille-toi. Hein? Pourquoi t'as fait ça? Je dormais si bien. Regarde donc ta cave à banane, tu seras surpris. Mes bananes et mon copain Gigi ont disparu. Les Gremlins me le paieront. Je les pourchasserai jusque dans les moindres recoins de mon île, jusqu'à ce que j'aie retrouvé toutes mes bananes. Une histoire de bananes, mon frère. Ok, bah vas-y, let's go. Let's go. Alors attendez, ça c'est sauté. Ok, ça c'est frappé. Ok, là je crois que j'ai une vie, si je me souviens bien. En sautant dessus aussi, je peux les tuer. Ok, ça va, j'ai des armes. Je sais pas si Didi peut faire pareil. Moi j'imagine que les bananes ça rapporte des trucs. Ah, le con. Non, du coup. Moi je sais pas les tuer ceux-là. Ah, j'ai essayé la roulade. Je sais pas, attendez, je vais réessayer. Ah, mais j'ai plus Donkey Kong du coup. Oh, galère. Attendez, faut que je vois comment je peux tuer un peu. Ok. Bon, c'est pas grave si on a des game over au début. Je pense que je pourrais quand même rajouter ce genre de jeu un peu à comment ça s'appelle au programme. Est-ce que je peux switcher de bonhomme? Ouais. Bon, je pense que je peux les tuer avec le. Comment je fais pour faire ça plusieurs fois? Dans le jeu, il peut faire plusieurs fois parce que je pense qu'avec ça, je peux les tuer. Ouais. Juste que j'avais raté le timing.
si j'ai des idées, après je peux pas les avoir. Ah là là, je suis vraiment une quiche. Ok, avec la roulette, je peux les tuer. Là, j'avais pas vu qu'il balançait des noix de coco avec les graphismes. Ah, mais je l'avais tué aussi. Ok, bon, j'ai 4 vies. Je pense pas que je vais performer sur ce jeu, ok. Ah, quoique, ça va, il est... Je peux quand même faire des sessions dessus. Bon, comment je me débarrasse de lui? Ouais, je vais plutôt l'esquiver. Parce qu'il y a un ennemi que je dois le tuer. J'ai failli tomber et tac, pas un ennemi. Bon, j'ai raté le jeu, tant pis. Ok, j'ai fini le premier niveau. À l'aise. Ah, j'aime pas la pluie. Oh non, genre je l'avais. On va les esquiver. Allez, on va récupérer des cas. Donc quand même, je préfère jouer des cas, on va mettre Didier en avant-garde. Ouais, il est bien le jeu là. Il éclate. Hein. Je l'ai atomisé. Qu'est-ce qui se passe quand je. Oh! Mais j'ai pas un mois bonus. Ah! J'étais bien parti. Bon, c'est un peu le concept de roulade là qui est pour tuer les ennemis qui m'échappent un peu, pour être honnête. Ok, là j'en ai un. Ah! Ah, je pensais que j'allais la passer. Ah, putain de merde. Ah, il va y avoir du challenge. Mais c'est cool, ça va travailler mes réflexes. Ça va travailler mes réflexes. Ouais, bon, ça va aussi travailler mon cerveau tout court. Non, mais je voulais faire la roulade, putain. Moi, je pense qu'on va recommencer de zéro. Hein. Sauvegarder la progression. On va voir ce que ça fait si je fais oui. Et si je reprends. Ouais, ça va, j'ai des sessions d'accord, ouais, je peux un peu foncer comme un TV, quoi, pour la bien du jeu. Bon, déjà, on va se débarrasser de lui. Oui?
Ouais, je dois repartir en mission à Montpellier. Bon, à chaque fois que je vais une tabasse, on va essayer de le tuer avant. Voilà! Ça rigole plus. Oh non, ne dis pas que j'ai foiré un saut. Oh, j'ai fait le plus dur. Oh, ça va, je suis tombé avec les deux, donc ils m'ont donné les deux. Mais c'est dommage que quand t'as les deux, les totems là, ça s'arrête que dalle. Ah, j'aurais pas dû le casser. Mais je me suis fait ragla par un tatou, quoi. Donc Donkey Kong battu par un tatou, t'imagines le nouveau personnage dans Super Smash Bros, c'est le tatou! Le tatou de Donkey Kong. Personne s'y attend. Ouais, faut vite que je le libère. Et qu'ensuite je fasse une roulade pour le contrer et que je l'enchaîne avec une autre, l'autre que j'ai raté. Super. Bon, après, de toute façon, c'est de la plateforme, c'est du saut. Donc allez, on se concentre. Ah mais non, mais c'est parce que je saute direct, d'accord. Ah vas-y, là je la sens bien la prochaine. Et ouais, faire des sessions de 30 minutes de jeu, ça va être cool en vrai. Ah mais pourquoi il tombe de ce côté? D'habitude il tombe de l'autre. Ah putain de merde! Ah, comme je suis nul, putain. Ah, ça va être le meilleur let's play Donkey Kong Country. À côté des speedruns, tu vas voir mon let's play, genre, en recommandation. On va faire un long play, les gars. Une longue run. Bon, cette fois, il va pas m'avoir ce bâtard. Voilà. On fuit. Technique du lapin. Donkey Kong le lapin. Pas grave, on caisse. Ah, je pensais peut profiter de la forme de la vulnérabilité. Ça va être chaud de les passer, cela. Ah, c'est cool, ça reprend exactement là où je me suis arrêté. Ah là là. Quand je prends le tonneau, ça va être B une deuxième fois pour le lancer. Ah, donc j'ai le réflexe de bouger. Oh, j'y crois pas. À chaque fois c'est passé. Là j'ai pas la deuxième chance. Je vais devoir assurer. Ouais, mais comment je fais pour passer? À mon avis, il faut que je saute au moment où moi je suis tout à droite et qu'elle est au plus bas. On va voir si ça passe. Il fait des longues roulades, mais ça doit dépendre de l'architecture du terrain. Ah, attendez. Ah, attendez, peut-être que ça c'est la réponse. Je peux pas le ramasser. C'était foiré, je pense qu'il faut que je ramène le pneu avec moi pour X ou Y. Là, je vais lui sauter dessus comme j'ai fait tout à l'heure. Franchement, les jeux de plateforme comme ça, quand j'étais gamin, j'y jouais pas parce que j'étais nul. Je comprends pourquoi j'y jouais pas.
C'est frustrant les jeux de plateforme. C'est pas comme encore. Là, tu vois, c'est pas comme un RPG Final Fantasy, genre où je pourrais aller dans une zone de la map que j'ai déjà fait. Mais non, mais c'est pas possible ce tatou de merde! Et juste farmer du XP pour être prêt à affronter le prochain boss, tu vois. Je suis obligé de vivre avec la frustration de ne pas réussir à faire cette session. Tu vois. C'est pour ça que je jouais pas trop au jeu de plateforme. Là, je vais me lancer pour l'objectif de finir ce niveau. On est qu'à 15 minutes de vidéo, c'est pas trop grave en réalité. Moi, ça me détend le cerveau. Si je prends pas. Si je ne cherche pas à tryhard ou quoi, c'est. C'est faisable, mais là c'est vraiment une session qui me complique la vie. Surtout avec ce tonneau, il est traître ce tonneau de TNT parce que tu crois qu'il va t'aider, mais en fait il t'explose. Tu vois, il faut que je le passe et que j'appuie sur B. Je peux le ramasser pour le jeter sur le tapis qui est là-bas. Ça sert pas à grand chose parce qu'il y en a un deuxième derrière. Ensuite, là je me dépêche, je ramasse et je reste appuyé sur tac et je lance dessus et non. D'ailleurs, je voulais lancer dessus, mais. Allez, vas-y, go. Peut-être que si je me concentre. Allez, ça va. Peut-être que c'est un jeu où j'ai besoin de connecter mes neurones. Moi, je peux te rassurer. Voilà, c'est bon. Là, il était prêt, j'ai de la chance. Voilà, maintenant, c'est au tour des abeilles. Voilà, mais c'est sûr. Ok, on va voir. Si ça a quelque chose, ce peut-être. Je pense pas. Ah, moi j'ai fait pour l'atteindre tout à l'heure. Ouais, il a fait le kamikaze là, du coup. Ah putain, il est tombé ce con. Mais putain de con, je. T'as tout de merde. Mais d'habitude, il passe, mais à mon avis, c'est quand je prends pas de retard. Faut vraiment que je fasse attention à ces abeilles. Elles arrivent tôt dans le jeu, je trouve. Tu vois, je trouve que. Mais après, c'est cool. C'est-à-dire que le reste du jeu, il réserve des surprises, tu vois, si j'arrive à progresser. Après, le seul jeu de plateforme que j'ai terminé, c'est New Super Mario Bros. Sur. Nintendo DS, mais c'était à l'époque où j'avais un éveil de l'esprit. Genre, j'étais plus performant dans les jeux vidéo à cet âge-là. J'avais 12-14 ans. J'avais fait Megaman ZX en difficile. Je sais pas. Après, mon cerveau il a régressé. Ah, il m'a attaqué comme un ninja ce bâtard. Ah, j'appuie sur B pourtant. Ça, c'est parce que je veux faire les choses vite. C'est fou que des fois la roue la dépasse et des fois elle passe pas. C'est fou, hein. Je vais éradiquer chacun de mes ennemis. Non, je déconne. On va jouer l'esquive. C'est pas possible, il saute pas assez haut, il lui saute dessus, comment je fais moi pour passer?
D'ailleurs, pour une attaque à distance, c'est pas possible. Je vais voir quand je suis deux si je peux pas en lancer un, genre. Je peux pas passer. Il n'y a pas moyen de gagner de l'élan, genre en faisant gauche-droite. Ah, peut-être que si je me grimpe à la corde, peut-être que j'ai d'encaisser un coup et de me miser sur la fin de la vulnérabilité. Sinon, quand il est en haut, genre. Peut-être. Non, là j'aurais pu passer au-dessus en vrai. Mais là, non. Je sais pas pourquoi. Je vois pas ce qu'a fait la différence dans mon sort. Là, j'ai du mal à voir comment je vais passer. La seule solution serait que je vois là, ce serait de réussir à garder mes deux Kong là et d'en sacrifier un. Vous avez vu, des fois ils sautent plus loin des fois. Hein. Je suis pas fou. Hein. Comme on a vu, faut que je sois bien à l'extrémité. J'avais fait plus dur pourtant, survivre à la ninja. C'est vraiment un ennemi relou, cette abeille. Hein. C'est vraiment un ennemi relou. Il gâche le plaisir du jeu. Quand le reste c'était de la performance, là, j'ai l'impression que ça va dépendre de ma chance. Là, j'étais concentré sur mon pneu. Je vais voir si je pouvais faire un truc avec, je sais pas, l'attraper. Allez, go. J'ai réussi à l'avoir. Ça, cette partie déjà, je commence à mieux la maîtriser. C'est vraiment le saut face aux abeilles. On va attendre que lui fonce. Allez, vas-y, let's go. Je voulais tenter avec la frame d'invulnérabilité. Je vais tenter avec la frame d'invulnérabilité, mais vas-y, je pense qu'il faut juste que j'insiste jusqu'à ce que ça passe, il y a des choses plus loin. Ah, là j'y étais presque. Vas-y, je vais essayer de les enchaîner, ça, hein, juste en essayant de sauter le plus loin. C'est la seule réponse que je vois face à la difficulté. La
tout cas, je suis content de jouer sur cet ordinateur. Plus performant. Ça va juste être compliqué d'uploader les vidéos. J'étais concentré sur l'achat du billet que je dois faire pour aller à Montpellier. J'ai un rendez-vous là-bas. Et là, je peux même pas réagir. Là, la pièce ont sauté, mais je peux rien faire. J'étais déjà dans le piège. Non, tant pis. Là. Et ouais, cette putain d'abeille. Après c'était cool de le tester en soi. Mais je pense pas que j'en faire, que je vais en faire une série, je suis pas assez fort. Je progresse pas assez vite, mais ressortir à l'occasion, pourquoi pas. Tu vois là, si j'arrive à finir avant les 30 minutes que je me suis fixé par vidéo, tu vois. Si j'arrive à passer ce passage, à finir le niveau, tu vois, je me dirais ok, il y a de l'espoir. Et là, pour le moment, c'est juste, c'est pas que le jeu est mauvais, c'est que je suis mauvais, tu vois. Ça aurait vraiment pas de sens, j'ai sauté trop tard. Ça aurait vraiment pas de sens de vous proposer un let's play dessus. En fait, je saute trop tard. Ah, j'ai peut-être compris le timing. En fait, j'attends qu'il arrive à la fin. Putain, il attaque plus vite que d'habitude. Non, il est trop fort ce gars. Décidément. Je le mets dans le prochain Smash Bros. Ah, j'espère retourner sur la terre ferme. Je pense vraiment avoir compris le timing pour sauter les balles. C'était trop tôt là. C'est fou, mais j'avais fait un Donkey Kong, ce qui était sorti sur Wii, et j'avais réussi. Celui-là, je l'avais fini. Là, avec tous les combats de boxe que tu devais faire à la fin des niveaux là, contre les singes du Chex. Les singes de Hood. Et voilà, mais c'est parce qu'il finit pas sa roulade lui aussi. Là, je préfère mourir. Là, je veux les deux parce que si je foire une abeille au moins comme ça, j'ai le deuxième. Pour sauter celle que j'arrive pas. Bon. L'instant me dit, insiste pas. Tu l'auras pas.
survie à la fin du film. Voilà. Là, j'ai fait plus dur. Là, je vais taper une accélération et je vais sauter. Voilà, au moins comme ça, j'ai passé. Et ouais. C'est juste impossible. Je vous spoil, les gars, j'y arrive pas. Bref, on va s'arrêter là, c'était cool. Enfin, j'ai envie de faire une dernière tentative. J'ai envie de faire une dernière tentative parce que je pense que la première, elle est pas stable encore. C'est la deuxième qui est compliquée. Oh, j'y crois pas. Déca, tu me déçois dans ton propre jeu officiel. Tout ce que tu sais faire, c'est des roulades et taper le sol. On dirait une version de Donkey Kong du twerk. Tu viens là contre un tatou. Un tatou. Et tu tombes dans les vitres. J'ai envie de laisser une dernière session. Oh, j'y crois pas. Trop tard, bien sûr, bien évidemment, trop tard. Alors encore un dernier essai avec les deux. Faut que j'arrive avec les deux. Voilà, c'est ça que je devais faire. Non, petit atout de merde. Petit atout de merde. Il a cassé tout mon plan. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Ah putain. Les pires ennemis de Donkey Kong, c'est pas les crocos, c'est les tatous. Et là, je juste parce que mon cerveau il a bugué devant un tonneau. Parce que j'ai bugué de loin, je perds ma putain de deuxième vie. Et donc, Kong il est plus lourd. Allez, vas-y, let's go. Si on a réussi à passer celle-là, c'est possible de passer elle. Ok. Bon, vas-y, on va s'arrêter là. Bon, en vrai, c'était cool. Ça m'a fait du bien de jouer un peu à un jeu qui change drastiquement des genres de licences que j'ai pu faire. Malheureusement, j'ai pas réussi à passer les tatous. Enfin, les abeilles et les tatous. Les pires ennemis de Donkey Kong, c'est pas les crocodiles, hein, c'est les abeilles et les tatous. Mais non, c'était cool, mais je vais pas spécialement faire une série de let's play. Mais le trou que j'ai là, je vais chercher un truc que je pourrais faire dessus. Je vais regarder un peu le site de RAM, un peu ce qu'il y a dessus qui est disponible, qu'on pourrait faire. Ce qui pourrait être cool, mais ce sera pas dans Donkey Kong Country, mais ça m'a fait plaisir de jouer quand même, c'était marrant. Bref, peut-être qu'on le reverra à l'occasion, mais ce sera pas prochainement, parce que très sincèrement, il m'a plu. Je trouve qu'il est bien fait, les musiques elles sont cool, mais vas-y, là, c'est ce passage d'abeille là, il m'a juste gavé en vrai. Et bref, sur ce, c'était Riger, je vais vous donner le mot-clé du jeu concours que je fais. Dans la description, vous avez la vidéo qui explique tout ce qui se passe. Faudra m'ajouter sur Discord, les gars, donc venez sur le Discord. Là, vous avez mon pseudo à gauche et en bas à gauche, dans la description, il y a le lien. Et donc, le mot-clé de cette vidéo, c'est Halo. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est Halo. On récolte un maximum avant le 6 septembre. Et le 6 septembre, il faudra m'envoyer les mots-clés que vous avez récoltés en message privé sur Discord. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.